Bon, écoutez, bonsoir, et puis ceux qui vont rejoindre le stream, et puis ceux qui vont regarder en rediffusion sur YouTube. Et ben ce soir, on se retrouve pour la découverte et ben nouveau caveplay du coup sur Detroit Become Human. Alors, Detroit Become Human, c'est un jeu que j'avais envie de faire depuis un petit temps déjà. C'est un jeu qui a quand même 3 ans. Et bah c'est un jeu qui m'a toujours intéressé hein, parce que le propos du jeu c'est quand même quelque chose c'est quand même quelque chose que j'aime bien. Tout ce qui est un peu futuristique, un peu voilà, robotique, un peu cyberpunk. Parce que pour moi c'est quelque chose qui se rapproche quand même pas mal de la réalité. Je sais pas, hein, peut-être que Détroit c'est peut-être le monde dans plusieurs années, on sait pas. En tout cas, ça m'intéresse beaucoup. Donc alors, Detroit c'est un jeu un peu spécial, hein, c'est pas un jeu comme un TPS ou un FPS lambda où on peut se déplacer librement, c'est un jeu Quantic Dream. Donc Quantic Dream c'est le studio de David Cage donc, qui a fait Heavy Rain par exemple, qui était sorti sur PS3. Moi je l'avais pas fait, je connais un peu le jeu Heavy Rain, j'avais vu des let's play mais jamais joué. C'est la première fois que je joue un jeu Quantic Dream. Donc c'est un jeu spécial pourquoi? Parce que c'est un jeu qui va se baser sur les choix multiples. On va avoir des QTE tout au long du jeu et des choix à faire qui vont impacter en fait l'histoire et bah, qui vont impacter notre personnage les dénouements finaux. Parce qu'il me semble qu'on incarne plusieurs androïdes, on aura plusieurs histoires, c'est pas que une histoire. Il me semble qu'il y en a un qui s'appelle Connor, les autres je sais pas trop, j'ai jamais vraiment vu de vidéos sur le jeu. J'ai vu des petits extraits, etc. Mais pas plus que ça. Donc on verra. Hein. On verra quel type d'histoire on aura, quel dénouement on aura, et surtout voir si vraiment les choix ont vraiment un impact sur. Auront vraiment un impact sur le jeu au final, hein, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui te disent, qui utilisent ce système de choix. Bon, au final, ça sert pas à grand chose, ça change pas vraiment le jeu. Donc, on va voir comment ça se passe, et puis bah écoutez, j'espère que ce nouveau gameplay va vous plaire, pour ceux qui vont regarder le stream et ceux qui vont regarder en live sur YouTube, et puis voilà, allez, c'est parti. Quantic Dream. J'espère que le jeu. Bonjour. L'expérience Détroit vous souhaite la bienvenue. Je suis l'hôtesse Android qui vous guidera. Avant de commencer, vérifions quelques réglages pour optimiser votre expérience. Ces paramètres de langue ont été détectés sur votre Alors là, on système. peut remarquer Sont-ils que corrects? il y a un très gros niveau au niveau des de la performance capture. Hein. Là, les visages là, c'est vachement, c'est pas mal quand même. Alors bah écoute, français, français, bah ouais, français. Hein. David Cage, c'est un français, donc on va rester en français. Bah écoutez, là on Ajustez a les l'air d'être pas paramètres mal. d'écran. C'est dommage que je peux pas jouer en 4K parce que j'ai pas un logiciel de capture qui permet de faire du 4K, mais. C'est vrai qu'avoir un écran 4K et pas pouvoir faire du 4K, c'est dommage, mais bon, c'est pas si grave. Bah écoute, on va rester comme ça. Ça a l'air d'être pas mal. Sauvegarder les modifications, oui.
Je veux surtout de l'immersion avec des commandes avancées. Alors, ok, c'est les différents niveaux de difficulté. Donc, on en a combien? 1, 2, 3. Expérimenté, occasionnel. Ah non, on en a 2 en fait. Ok. Alors, expérimenté, je veux surtout de l'immersion avec des commandes avancées. Un défi plus corsé où des erreurs peuvent mener à la perte d'un personnage. Ah, c'est pas mal ça. Je veux surtout une histoire avec des commandes simplifiées, un défi plus abordable et moins de chances de perdre un personnage. Ah. Ah là, on a déjà une énigme à résoudre là. Déjà, je trouve ça pas mal l'androïde là qui nous demande de choisir toutes ces choses là. C'est pas d'habitude, c'est juste des choses à choisir. Dans les menus, mais là, c'est pas mal là, l'Android là, qui nous propose ces paramètres là. Bah, expérimenter, occasionnel, moi j'ai bien envie de tenter expérimenter quand même. Des commandes plus corsées, mais c'est-à-dire des commandes avancées. Un défi plus corsé où les erreurs peuvent mener à la perte. Ça peut être super intéressant, ça, la perte d'un personnage. Du coup, ça veut dire que si on perd un personnage, c'est. C'est irréversible quoi, c'est Ah là 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 là. Une histoire simplifiée, un défi plus abordable. J'ai bien envie de tenter expérimenter quand même. Hein. Bon écoutez, on va tenter expérimenter. Et puis bah si on voit que c'est quand même dur, enfin. J'imagine. Enfin, je pense pas que c'est un truc hyper compliqué non plus, quoi, mais bon. Enfin, c'est vrai que là, le peuvent mener à la perte d'un personnage. Du coup, va falloir redoubler d'attention dans les choix et dans nos actions, quoi. Écoutez, expérimenter, on y va. Sauvegarder modifications, oui. Veuillez ne pas éteindre votre système quand ce symbole s'affiche à l'écran. Vous pouvez maintenant commencer des trois. N'oubliez pas. Ah, ce n'est pas qu'une ça m'intéresse. Bah, comme je disais, hein, c'est peut-être le futur de ce monde. Hein. C'est pas si loin, 2038. Hein. 15 août 2038. 21-29. Il me semble que ça, c'était la démo qui était sortie. Liberté. Ah, c'est parti, ok. Le négociateur vient d'arriver. Je répète, le négociateur vient d'arriver. Putain, la qualité des visages, c'est. Je pense que ça va m'impressionner tout au long du jeu, ça. Bon bah c'est parti, écoutez. Ouais. Alors donc on est dans l'appartement d'une famille visiblement. John Phillips, Emma Phillips et Caroline Phillips. Est-ce qu'on peut retourner le truc? Non. Ok. Oh, je vous en prie, vous devez sauver ma petite fille. Vous avez envoyé un androïde. Venez, madame, vous ne pouvez pas rester. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez envoyer un véritable être humain. Éloignez cette droïde de ma fille. Je ne suis pas cette droïde d'approcher d'elle. Éloignez-le. Alors, R2 pour les objectifs, trouvez le commandant Allen. Ceci vous montre vos objectifs et vos interactions. En tout cas, on est direct dans l'ambiance. Hein. Merde.
Alors on peut pas aller là d'abord. Okay. Peut-être lui le commandant Allen. Commandant Allen. Donald Renew. Je suis l'androïde envoyé par CyberLife. Qui fait le doublage. Cet androïde tire sur tout ce qui bouge. Il a déjà descendu 2 de méga. On pourrait facilement le descendre, mais ils sont sur le rebord de la terrasse. S'il tombe. Nom du déviant, comportement du déviant, choc émotionnel, code de désaccès. Oula, on est timé en plus le nom. Connaissez-vous son nom? J'en ai aucune idée. Comportement du déviant, choc émotionnel. Pour déterminer la meilleure approche. Savez-vous s'il s'est déjà comporté étrangement auparavant? Écoute, la priorité c'est de sauver cette gamine. Alors occupe-toi de ce putain d'androïde, ou c'est moi 48%. Comprendre ce qui s'est passé, sauver l'otage à tout prix. Ok, on trouve des balles. Ah d'accord, on reconstitue la scène. D'accord, ok. Ok, probabilité de réussite. Donc, c'est-à-dire plus on trouve d'indices et plus on a de chances de réussir, de succéder dans la dans l'action, quoi. J'imagine. Hein. C'est le pavé tactile. Ah c'est assez stressant quand même hein, c'est le but c'est de sauver la petite fille là, mais l'enfant n'a pas entendu les coups de feu. Est-ce qu'on a d'autres trucs à fouiller là? J'ai vu qu'il y avait encore un cadenas, mais... D'accord, ok. Hémorragie à la partie supérieure du poumon. Pneumothorax. Gauche perforée, traumatisme abdominal mortel. Décédé, du coup c'est le mari. Le mari qui s'est fait buter.
On a 4 indices là. Ah, il y a un truc là ici là. À droite, mais je peux pas y aller. Que j'ai 4 indices, mais le quatrième, je le vois pas en fait. Peut-être ce qu'il y a à droite là? Non, c'est pas ça. Oh! Ah, je sais pas si on est timé en fait là sur le. Le truc dehors là, ce qui se passe dehors là, je sais pas si on est timé ou j'aimerais bien trouver le quatrième indice en fait là. Peut-être de l'autre côté comme ça. Non. À 4 indices. Quatre indices, je sais pas là en fait. On a l'œil, on a fait le poumon, le rein, enfin le foie ou le rein, je sais plus. Mais là, quatrième indice. Ah, d'accord. J'avais pas vu. Hémorragie de la partie inférieure du poumon, hémorragie interne, reconstituée. Ah d'accord, on peut bouger comme ça. Okay, donc c'est l'androïde qui l'a buté. Le père tenait quelque chose. J'ai reconstitué là. Ça a pas marché la reconstitution là. Ah. Voilà. Fallait retrouver l'espèce de tablette que le père tenait là. Vous avez débloqué un dialogue ou une action sous. Le temps que. Souvent bénéfique. Ok, donc on vient de débloquer un dialogue. J'ai envie de trouver le maximum d'indices, hein, vraiment pour maximiser les chances de réussite. Ah, il y a un flingue ici là.
Cette police a été le premier sur les lieux. Ouais. Anthony Descartes. Ah merde. Ça me propose pas de... d'appuyer sur triangle là par contre. Ah peut-être c'était maintenant qu'il fallait le faire. On trouve la, l'arme là. Bah il est là ici, c'est pas ça. Et puis on peut pas s'accroupir ni rien. Bon après voilà, c'est comme je disais, hein, c'est pas un jeu. On n'est pas libre dans les déplacements quoi. C'est vraiment. C'est assez spécial comme. Comme gameplay. Qu'est-ce que tu fous, bordel de merde ? Réanimer les victimes. Ah, il y avait un autre truc là. Laissez-nous tranquille. Je veux que vous partiez tous immédiatement. J'avais des choix, ça me proposait des choix, je peux plus. Bah, j'aimerais bien ressortir en fait là. Enfin, pas sortir, mais. Continuer à examiner les lieux. Oh merde. Pourquoi je peux pas partir? Peut-être qu'on n'a pas le choix en fait, hein, finalement. Enfin, j'étais à 70% à peu près, donc. Ah merde, je voulais continuer à explorer là. Bon, est-ce qu'on tente ou pas? On va tenter du coup là. Voilà, on va tenter. Hop. On va croiser les doigts. Ça met la pression un peu, hein. On va pas essayer de devenir libérer otage, rassurer Daniel. Compatir. Je ne vais pas te faire de mal. Je veux juste discuter et trouver une solution. Discuter? Je ne veux pas discuter. C'est trop tard de toute façon. Défectueux. Il voulait te remplacer par un autre androïde et ça t'a contrarié. C'est bien ce qui s'est passé. Je pensais faire partie de la famille. Je croyais que je comptais.
Et c'était que leur souhait. Un observateur. On va faire Emma et toi. Je sais qu'Emma et toi étiez très proches. Tu penses qu'elle t'a trahi, mais elle n'a rien fait de mal. Elle m'a menti. Je croyais qu'elle m'aimait. Ah, son petit truc, il est devenu on va faire compatissant. On va essayer de rester calme quand même. Écoute. Je sais que ce n'est pas ta faute. Ces émotions que tu éprouves ne sont que des erreurs dans ton programme. Non. C'est pas ma faute. J'ai jamais voulu ça. Je les aimais. Tu vois? Mais j'étais rien à leurs yeux! Rien qu'un esclave à qui on donne des ordres! Je peux plus supporter ce bruit! Accepté. Fais dégager cet hélicoptère, maintenant! Ok, ça augmente. Voilà. Inspirer confiance. On va rester là. On va rester là-dedans, là. Tu dois me faire confiance, Daniel. Libère l'otage, et je te promets que tout se passera bien. Je veux que tout le monde s'en aille. Et je veux une voiture. On va trouver un compromis. Je le laisserai partir. Ce n'est pas possible, Daniel. Libère la fille. Ah, c'est... Je te promets qu'on ne te fera pas de mal. C'est pas trop un compromis, ça. On va le rassurer. Je veux pas mourir. Ah. Tu ne vas pas mourir. Nous allons simplement discuter. Il ne va rien t'arriver. Tu as ma parole. Ok. Je te fais confiance. Voici l'arborescence de la Seine. L'arborescence de la Seine. Ici, vous pouvez consulter les chemins que vous avez pris, ce qui reste à explorer et les possibilités que vous avez déverrouillées. Chaque embranchement vous confère des points utilisés dans les suppléments. En raison de la nature du jeu, certains embranchements et dénouements ne sont pas pris en compte dans l'avancement de l'arborescence. Ah, je suis curieux quand même de... Ah bah du coup, là, c'est... Ok, donc ça, c'est les choix... Tous les choix qu'on... Enfin, tous les chemins qu'on aurait pu prendre, du coup. Approche amicale, renvoi l'hélicoptère. Ah non, c'est tous les choix qu'on avait avec le. Ah non, on a ça aussi, d'accord. Ouais, quand même pas mal de choix, mais est-ce que au final, même avec plusieurs choix. Bah, j'imagine que ça, c'est les fins du coup, ça. Du coup, 3, 4, 5, 6, 6 fins en fait. Il y a 6 possibilités de fin, donc c'est quand même pas mal. 6 possibilités de fin, là, c'est... Les snipers ont abattu le déviant. Donc j'imagine qu'il y a une fin où la petite elle meurt. Une fin où... Enfin, on sauve l'androïde, mais... au lieu de se faire buter... Il part de la maison et peut-être qu'il se fait emmener en prison ou quelque chose comme ça. Donc je suis curieux de voir quand même les autres fins, les autres embranchements possibles. Ça c'est, ouais, c'est pas mal. Alors au moins on a sauvé la fille.
J'étais un peu sous pression, j'avoue, parce qu'on est. Je voulais tout examiner en fait. Je me suis dit merde, si on n'examine pas tout, ça va être compliqué quoi. Mais au final, on s'en est bien sorti. On est resté sur la carte du calme. Et par contre, on lui a menti. Et j'ai vu que il y a eu une espèce d'annotation en haut à droite. Quand il nous a dit qu'on lui a menti, il y avait écrit défaillance ou quelque chose comme ça. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on a pris le chemin, vu qu'on lui a menti, on a pris un chemin un peu méchant, entre guillemets? Je sais pas. Et bon, le principal, c'est qu'on a on a sauvé la fille. Alors, stade, c'est quoi stade du monde? Stade du monde. Ah, ok, c'est le pourcentage de choix que les joueurs ont pris, j'imagine. Trop perdu de temps. Il y a 23% qui ont choisi ça. Seulement 39% du monde qui a eu cette fin. Ah, donc ça doit pas être la meilleure fin du coup. Bah, je suppose qu'il y a une fin aussi où on peut sauver les deux. On sauve la fille et on évite à l'androïde de se faire tuer. Ouais. Donc en fait ça te fait ça peut te refaire du coup recommencer le jeu. Enfin recommencer le jeu. Au moins cette scène-là, 5 ou 6 fois au moins quand même. Afficher les légendes. Chemin verrouillé, bouleversement, ouais. Ok. Bon, on va continuer. Hein. C'est un assistant ménager haut de gamme. Il connaît 10 000 recettes. Allez Zoé, on y va. Et vérifie les devoirs des enfants de l'école primaire jusqu'aux études supérieures. Waouh ! Mon cœur, regarde-moi ça. C'est exactement ce qu'il nous faut. Et c'est combien déjà ? En ce moment, nous faisons une promotion spéciale sur toute la gamme à 7 999 $. Règlement en 48 mois, sans intérêt. Il comprend une garantie pièce et main d'œuvre de 2 ans. Peinture, plomberie, jardinage, réparation. La nuit, il passe en mode surveillance et contacte les services d'urgence en cas d'intrusion ou s'il détecte de la fuite. Excusez-moi, combien coûte celui-là ? Pas trop sa tête. Et voilà. Ça n'a pas été facile de la remettre en état de marche. Elle était vraiment amochée. Vous dites qu'il lui est arrivé quoi déjà ? Une voiture l'a renversée. Un accident stupide. Ah, je vois. Enfin bref, elle est comme neuve maintenant, sauf qu'on a dû la formater. En gros, on lui a effacé la mémoire. J'espère que ça vous va. Ça va aller. Ok. Vous lui avez donné un nom ? Ma fille, oui. AX400, enregistre ton nom. Kara. Je m'appelle Kara. Ah, c'est vrai, il y a Henriksen dans le jeu.
Ah, du coup, on incarne un nouvel android là. Ok. Ah, c'était marrant là, le petit passage dans la boutique là. C'est comme si c'était un magasin d'ordinateurs, mais à la place, bon, c'est des androïdes quoi. C'est quand même assez. Pas flippant, mais. Ça met un peu mal à l'aise quand même. Tous ces androïdes, tous ces. Puisque comme. Comme on peut s'en douter, c'est potentiellement quelque chose qui pourrait arriver. Hein, Et même c'est très probable. Très très probable. Ok, donc on a GPS avec R2. Récupérer la commande numéro 847 à la boutique Bellini. Ah bon, c'est vraiment tout droit quoi. On voit quand même que les humains sont pas vraiment fans des androïdes. Hein. Dans l'intro, là, on avait vu l'homme sans abri qui est sur une pancarte écrit « J'ai perdu mon travail à cause d'un androïde ». Et là, bah, du coup, le musicien, là, sur sa petite pancarte, qui nous dit que qu'on peut payer $1 pour écouter de la vraie musique faite par un humain. Du coup, de la musique faite avec une âme. Pauvres pêcheurs, la fin est proche, votre châtiment vous guette. La technologie corrompt l'humanité. La technologie est mauvaise. Nous jouons à Dieu en créant les machines, mais nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes que poussière. Pourquoi tu me regardes comme ça, démon ? Je sais qui tu es. Je vois clairement en toi. Tu es celui par qui le mal doit arriver. C'est toi qui amèneras Détroit à sa destruction. Nous créons ces androïdes à notre image, mais ils ne reflètent que les ténèbres de nos âmes. En vérité, je vous le dis, le jour viendra où nous devrons payer le... C'est vraiment pas mal, hein. Il y a vraiment une ambiance. Enfin, on s'y croirait quoi. C'est peut-être ça qui rend le jeu un peu, qui rend le truc un peu malaisant. Enfin, pas malaisant dans le mauvais sens, hein, mais. Ah, on y est, ok. Je savais même pas que c'était ici, J'ai tourné ici par hasard. Il y avait pas 50 000 boutiques, hein, de toute façon, là. Alors, je vérifie juste un truc, rapidement. Alors, j'ai vu que j'avais. J'avais mis des
Sur OBS des millisecondes là en plus, sur l'Elgato, je voulais pas faire ça. Donc j'espère que c'est le début du stream, il n'y a pas eu un gros décalage de son. J'espère. Parce que s'il y a pendant tout le début du stream, il y a eu un décalage de son, parce que je l'ai enlevé là, il y a 5 minutes là le truc. Mais là j'ai vu que c'était du coup activé là depuis le début du stream. J'espère pas parce que sinon je crois qu'il me semble qu'il y a un gros décalage de son. Bon je verrai plus tard. Alors c'est quoi cette boutique là? Ah. Il faut récupérer un paquet. Identification vérifiée. Voici votre commande numéro 847. Ça fera $63.99. Merci de confirmer. Paiement confirmé. Transaction effectuée. C'est même plus un paiement sans compte, sans contact là, c'est paiement de l'esprit quoi. Enfin, de l'esprit. Les robots ils ont pas d'esprit. Enfin je pense pas. Ah ouais, on peut changer d'angle, d'accord. On peut y aller comme ça. Comme ça. Ah, non, c'est pas par là. On peut pas lui donner de la monnaie. Bah ouais, bah non. Évidemment, on peut pas lui donner de monnaie puisque notre argent, il est... il est virtuel. Est-ce que même l'argent existe encore? C'est ça le... C'est ça la question là. Est-ce que l'argent existe encore? Je veux dire l'argent... les billets, les pièces quoi. Tu voles notre taf, mais tu peux même pas tenir debout. Voleur d'emploi, virez-le à coup de pompe. Ouais. T'as nulle part, ouais. On va te défoncer ta petite gueule. Ouais, démonte-le. Vas-y. Ok. Ça suffit. Laissez-le tranquille. On lui donne une leçon à ce fumier. Si vous l'abîmez, vous aurez une contravention. C'est votre boulot qu'ils prendront ensuite. On verra si ça vous plaît. Ok. Allez, circulez. Après les humains, je vais pas les blâmer hein. Les machines. Mesdames et messieurs sont... Je pense que va nous remplacer. 35% de taux de chômage, des millions de sans emploi. Quand va-t-on Je vais pas les blâmer les humains.
Je pense que le jour où ça arrivera, en vrai, je serai plus. je pense que j'aurais plus tendance à être du côté des hommes, quand même. Ah ouais, c'est... Là, on a un double sens... un double sens dans ce message, là, c'est... C'est assez fort, quand même, hein. Après, bon, c'est bien, ça dénonce, quoi. Ça dénonce. Et c'est ça qu'on aime. Ah là, il y avait moins de choix quand même là. Il y avait moins de choix. Compléter 66%. Stade du monde. Ah, il y a quand même moins de la moitié qui a pris le. Qui allait voir le prédicateur, c'est ça ? Ok, bon bah on continue. Merci Lunar, merci pour le follow. Et bienvenue dans la grotte. On est de retour avec avec Kara. Utiliser un pour changer l'angle de caméra. Ok. Alors tu viens ? Donc le mec s'appelle Todd. Et donc là on est vraiment dans le, on est plus en ville, là. On est vraiment dans la zone industrielle quoi. Ah, on a notre nom qui apparaît dans notre dos là. T'as été absent deux semaines, alors il y a plein de bazar. Tu vas faire le ménage, la vaisselle, nous faire le repas et tu vas t'occuper. Ma porte, elle est où cette sale gosse ? Alice ! Alice ! Ah, te voilà. Voilà Alice, tu dois t'occuper d'elle. Les devoirs, le bain, tout le bordel. Pigé ? Oui, Todd. Tu commences en bas, après tu vas à l'étage. Ok, alors je vais juste faire un truc avant. Hop. Allumez télé. Maintenez R2 pour scanner l'environnement. Tâche urgente, ramasser les déchets, tâche optionnelle, ramasser la vaisselle, un aspirateur, inspecter le jardin. Ouais.
le mec, il a visiblement des problèmes d'argent. C'est un peu triste quand même. La scène d'avant là, c'était. En fait, on passe d'une émotion à l'autre quand même assez vite. Hein, le début du jeu, c'était vraiment sous pression, suspense. Là, dans le parc, c'était un peu. Je crois que c'est un peu malaisant. Et là, c'est assez triste quand même. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Ah d'accord, il se roule un... Ok, d'accord. C'est rouler un petit J. Inspecter le jardin. On va inspecter le jardin. Ramasser la vaisselle, le aspirateur, et j'ai pas vu le dernier choix. Il ne fait pas très beau dehors. Tu pourrais attraper froid. Tu veux que j'aille te chercher un pull ? Tu n'as pas école aujourd'hui ? Pas vraiment envie de nous parler, la petite fille. Refaire la vaisselle. Red Ice, acétone, lithium, tritium. Ah non, c'est. Tu devrais pas fouiller dans mes affaires. Ça risque de m'énerver. Je suis désolée, Todd. Ne mets pas ton nez dans mes affaires, sauf si tu veux mettre en rogne. Tu veux mettre en rogne. Non, Todd. On va faire la vaisselle. Mais il va se calmer là avec ses bruits lui là. Je crois qu'il était en train de mourir au début là. Elle me fait de la peine.
La vaisselle ne fonctionne pas. Alors, il faut faire un truc. Alors, attends. Un truc avec la manette là, d'accord. C'est un peu bizarre comme Kara. Oui, Todd. File-moi une bière fraîche. Tout de suite. Oh putain. Parce que pour laver la vaisselle, j'étais obligé de faire ça là, de faire de faire ça sur le pad, c'était un peu bizarre. Alors, faut lui apporter une bière. Il a l'air vraiment con quand même le père là. J'ai bien avancé ici. Je vais aller voir là-haut. Fais ce que t'as à faire, mais arrête de me gonfler. Ah, c'est ça l'aspirateur, peut-être, non? Pas ça? On peut le lire, ça? Vous pouvez lire à nouveau les articles découverts dans les sections suppléments. Century, le moyen de transport révolutionnaire qui secoue la Californie, le transport du futur. Les sénateurs américains sont vraiment corrompus. Un tremblement de terre en Chine fait 10 000 morts. Du futur, le moyen de transport révolutionnaire qui secoue la Californie, le nouveau Subtube a secoué son premier trajet aujourd'hui. Reliant Manhattan, Central Los Angeles, en moins de 2 heures, sur moins de la vitesse du temps de vol, la vitesse de pointe de 2896 km/h a pu être atteinte car le tube voyage ainsi voyage dans une chambre dépressurisée, ce qui permet à ses moteurs magnétiques de fonctionner dans un environnement dépourvu de presque toute friction. Pour les travailleurs, cela pourrait signifier la perspective alléchante d'aller se détendre pour la Golden Coast après une longue journée dans la grosse pomme. Ah, c'est sûr que. Le moyen de transport révolutionnaire qui secoue la Californie. Mais il ressent les prix des maisons qui augmentent 64%, l'argent immobilier. Pense. Hein, c'est vrai que. C'était surtout de New York qu'ils voient les occasions de conserver leur salaire en profitant du style de vie de Los Angeles. Ils se bousculent pour cette chance. Avec l'immobilier qui bouge, les écoles se remplissent et les commerçants augmentent leurs prix en prévision de l'arrivée de cette nouvelle clientèle. À terme, les Californiens de longue date n'ont plus les moyens de vivre en ville, c'est pourquoi ils protestent comme se manifestent en colère. D'abord, Détroit, nous prenons nos boulots. Et maintenant, New York nous pique nos maisons. Ah, il y a peut-être d'autres pages à faire. Ah, j'ai fait rond, j'ai pas vu qu'il y ait d'autres pages peut-être. Puissance Android, devrait-on interdire les joueurs Android? Faut du footballistique et dernière spéculation sur les transferts. Ok. Quelle jolie peluche. Comment elle s'appelle? Ça me fait de la peine là, ça me fait de la peine la petite fille là.
Ranger la chambre de Todd, faire le lit, ranger la pièce, aérer la pièce. Puisque les androïdes ils sont dans le sport aussi. Antidépresseur contient de la niacine avec des troubles de comportement. Ah. Il a un flingue aussi. Voilà, c'est tout propre. Ranger la guitare aussi. J'ai du mal à comprendre là le... Ouais, faut... Je sais pas. C'est un peu bizarre là, l'utilisation du pavé tactile. Je voudrais juste ranger un peu ta chambre. Ça ne sera pas très long. Ça ne t'embête pas, Alice ? On va pas la faire chier, on va juste ranger. On va pas commencer à regarder partout. Mais je comprends pas le... C'est la fille qui voulait un androïde ou... Alice au pays des merveilles. Forcément. Tu aimes lire, on dirait. On peut pas lui parler ?
Bon, je pense qu'on a tout fait là-haut. Ah, nettoyage de l'étage. Ah, il nous manque quelque chose là, il y a quelque chose qu'on n'a pas fait. C'est pas rassurant. C'est pas rassurant. Ah, on n'avait pas rangé ça en fait. C'était ça? Alors attends. Hop. Parler à Alice. Je suis sûre qu'on était amis avant qu'on me formate. On peut peut-être le redevenir ? Ton papa dit que c'est toi qui as choisi mon nom. Kara, c'est joli. Comment l'as-tu choisi ? Tu devrais me parler de toi, de ce que tu aimes faire, où tu aimes aller, tes plats préférés. Ça m'aiderait beaucoup. Ta maman, par exemple, elle rentre bientôt ? Ah merde, ah j'étais sûr, je voulais pas le faire ça. Ah merde. Ça se passe, bah ouais, j'aime bien, ça va. C'est pas mal. Il va nous donner la clé pour ouvrir son coffre. La gueule qu'elle a fait à son père. Oulô. Oh.
En fait, elle est... Elle est morte, sa mère, j'ai l'impression. Peut-être son père qui l'a... C'est sûrement son père qui l'a maltraité. Ah, c'est pour ça, attends, je voulais pas faire le choix de la maman, là, j'en étais sûr. Qu'il y avait un... Il y avait quelque chose comme ça, là. C'était sûr. Qu'est-ce que tu fiches ? Après, on pouvait pas savoir, quoi. Tu t'amuses. On pouvait pas savoir. Je sais ce que tu penses. Que ton père a un bon à rien. Hein ? Un pauvre loser. Qui a pas de travail, qui s'occupe pas de sa fille. Tu crois que j'ai pas cherché des solutions ? Mais quoi que je fasse, y a toujours quelqu'un qui se pointe et qui fout tout en l'air ! Je sais ce que tu penses de moi. Tu me détestes. Tu me détestes, pareil. Dis-le ! Tu me détestes ! Oh mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis désolé, ma puce, je suis désolé. Je suis désolé. Tu sais que je t'aime, tu sais. Tu sais que je t'aime. J'avais vu le début, c'est tout. Ouais, moi aussi, j'avais juste vu la démo qui était sortie à l'époque, mais c'est après j'ai rien vu d'autre sur le jeu. Ah, ça fait pas mal de trucs quand même là. Et il y a que deux trucs qu'on n'a pas. Non, combien ? Trois trucs qu'on n'a pas débloqués. On a quasiment tout débloqué là, tous les choix et tout là. Ok. Alors je sais pas s'il y a un autre androïde, parce que là on a vu trois androïdes déjà, on a eu l'introduction à trois androïdes. Je crois qu'il y en a que trois, hein. Il n'y en a pas plus.